Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un prof pas comme les autres, qu'on aime vous présenter évidemment dans l'émission, vous le savez. Focus aujourd'hui sur Julien Fontanier, on vous en parle dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech, c'est Dorit Nahon qui est avec nous aujourd'hui et qui nous accompagne tout au long de l'émission. Bonjour Dorit, de quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui? Hello, aujourd'hui on va parler des congés menstruels en entreprise. Et puis, la maîtrise du code est-elle devenue la compétence incontournable pour nos enfants au 21e siècle? C'est notre question du jour. Parents, écoles et entreprises sont en effet de plus en plus nombreux à s'emparer du sujet, mais qu'en est-il vraiment? Voyage au cœur dans un instant de cette révolution numérique dans l'éducation, de ce langage universel aussi, qui l'accompagne avec notre invité du jour, Amine Lajmi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur de Coding Park. On va en parler dans un instant, mais d'abord, focus. Et maintenant, voyage vers le Japon à la rencontre de Julien Fontanier. Vous le connaissez peut-être déjà sur YouTube puisqu'il cartonne. C'est une star, un prof qui cartonne sur YouTube. Sa chaîne de cours de japonais a en effet plus de 300 000 abonnés déjà. Portrait de ce prof pas comme les autres par Xavier Terrade. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble. Et c'est parti pour un cours de japonais avec Julien Fontanier. Alors, je me présente rapidement, je suis Julien Fontanier, spécialiste en culture japonaise. J'écris des articles, je fais des reportages, notamment au Japon. Je suis également traducteur, interprète, et j'enseigne le japonais. Sa chaîne YouTube, lancée en 2015, a plus de 300 000 abonnés. Si elle cartonne autant, c'est qu'elle répond à un véritable besoin. Je me suis rendu compte que énormément de personnes de nos jours, dans notre société française, même francophone, hein, pas seulement les limites de la France, étaient passionnés par le Japon, étaient passionnés par la langue japonaise, que ce soit grâce aux mangas, grâce aux animés, grâce aux jeux vidéo, ou tout simplement grâce à la richesse et la beauté de la culture japonaise. Et je me suis rendu compte surtout que toutes ces personnes, finalement, n'avaient que très très peu accès à l'apprentissage de la langue japonaise. Et ça, c'est un très très gros problème, un problème auquel j'entends remédier. En juin 2022, Julien Fontanier s'était notamment intéressé aux légumes du potager. La pomme de terre se dit en japonais jagaimo. La carotte se dit en japonais ninjin. Mais l'un de ses plus grands succès concerne sa vidéo dans laquelle il dévoile son tableau des katakana version manga. Elle a cumulé plus de 175 000 vues. J'aimerais vous montrer comment, grâce à votre passion pour les mangas, vous pouvez vous motiver à apprendre le japonais et surtout comment vous pouvez y prendre du plaisir. Et pour illustrer cela, j'ai créé un tableau des katakana version manga. Certaines de ses vidéos ont franchi le cap des 500 000 vues, un nombre qui pourrait bien continuer à grimper, car les vidéos de cette petite star 2.0 de la culture manga sont intemporelles et donc toujours d'actualité, même des années après. Quel parent n'a jamais été déconcerté par l'utilisation souvent très intuitive des outils informatiques par nos enfants? Sous notre regard souvent amusé et admiratif, c'est vrai, ils manient avec une certaine dextérité les tablettes, les téléphones et puis les autres outils numériques, car effectivement, le numérique fait bel et bien partie de leur vie. Partant de ce constat, il convient de faire d'eux évidemment des acteurs engagés aussi de ce monde connecté, par exemple en les initiant au rouage de l'informatique dès le plus jeune âge, tout comme on leur apprend à lire, écrire et compter. On va en parler justement dans la première partie du talk. Et aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Amine Lajmi, vous êtes le cofondateur de Coding Park. L'apprentissage de la programmation est devenu si important que les écoles sont déjà en train de l'introduire dans les salles de classe depuis quelques années déjà. Mais de nombreux enseignants se sentent peu à l'aise avec la discipline et c'est justement à ce besoin que vous venez inventer une plateforme qui s'appelle Coding Park, qui fournit des ressources pédagogiques adaptées au programme des écoles primaires. Vous pouvez nous présenter rapidement Coding Park? Oui, avec plaisir. Donc Coding Park, ça fait partie de la mouvance donc qui a eu lieu depuis 2016. Ça a commencé aux États-Unis et puis ça s'est généralisé un peu partout dans le monde. Donc qui est la mouvance d'apporter, de simplifier, démocratiser l'accès au numérique, donc le codage aux enfants. En fait, c'est justifié par en fait tout l'essor de la technologie qu'on voit aujourd'hui en fait dans la vie de tous les jours.
Et donc, beaucoup d'écoles se sont lancées dans le monde à enseigner le codage, la programmation, dès l'école primaire, dans certains cas aussi, certains pays, ça, donc, par exemple en Asie, par exemple, ça va jusqu'à l'élémentaire, en fait, la maternelle, hein, ils commencent déjà. Ça fait partie des cursus scolaires là-bas ? Oui, ça fait partie des choses maintenant qu'on commence à enseigner très très tôt. Justement pour ce que ça peut apporter comme compétences qui seront utiles pour les enfants plus tard. Ces compétences, effectivement, on va en parler dans un instant. D'abord, peut-être une question, est-ce que c'est facile d'apprendre à coder ? Je dirais ça dépend de la motivation qu'on y met. Voilà, comme toute discipline, toute activité, si on est motivé pour le faire, on peut y arriver. Voilà. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand les gens disent qu'il faut être bon en maths, il faut être donc assez doué, avoir la bosse scientifique, ce n'est pas vrai. Coder, c'est juste, juste associer des séquences d'instructions, les assembler logiquement comme un Lego. On n'a pas besoin d'être doué en maths pour le faire. Donc n'importe quel enfant peut le faire du moment que, en fait, on y met, en tout cas, les parents, les enseignants, ils savent comment apporter cette discipline, ils savent comment l'encadrer pour le faire. Il faut qu'ils trouvent du plaisir à le faire. Coding Park, justement, c'est aussi une pédagogie pour enseigner un sujet qui peut effectivement paraître complexe à des enfants et des adolescents. Avec vous, on s'éloigne complètement des solutions de type Scratch, où on code par bloc. Avec vous, on apprend un langage textuel, comme les grands, c'est peut-être un peu plus facile à assimiler. Alors, en fait, ce langage textuel qu'on a apporté, c'est justement une brique supplémentaire qu'on a apportée par rapport à cette brique technologique du MIT, Blockly, Scratch, donc c'est ce logiciel du MIT, qui s'est généralisé et qui est utilisé un peu partout dans le monde, qui est favorisé par la tablette, puisque c'est du drag and drop, en fait, ce qui se passe, donc un accès facile. Donc c'est un peu un joujou en fait, c'est un peu un jouet. Donc on peut assembler un algorithme en glissant, déposant des blocs d'instructions, les empilant les unes sur les autres. Et ça marche bien. Et en fait, mais après, une fois que les enfants, ils ont déjà fait ça, aux alentours de 6-7 ans, en fait, après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ? Donc le problème, c'est que si on veut évoluer là-dedans, aujourd'hui, il y a plus de 400 langages de programmation. Hein, c'est un écosystème technologique vaste, avec des phénomènes de mode, des technos qui montent, qui descendent, etc. Et donc, quelle techno choisir à un âge où, 7, 8, 9, 10 ans ? Sachant qu'on ne veut pas en faire forcément des développeurs, on veut qu'ils apprennent à raisonner, on veut qu'ils apprennent des compétences en algorithmique et limite pure, sans avoir associé de la syntaxe. Et c'est là qu'on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger ces concepts-là, qu'on retrouve dans ces langages de programmation-là, et on va les masquer, on va les simplifier, les sublimer, et on en a fait ce pseudo-langage, ce langage que nous on a appelé « play », donc c'est du pseudo-code, c'est juste des fonctions. Donc par rapport à du Scratch, ils vont écrire les instructions au clavier. Par rapport à Scratch, ils vont apprendre à respecter une syntaxe. Par rapport à Scratch, ils vont pouvoir faire des erreurs. C'est super important parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Voilà. Et on le répète peut-être pas assez, effectivement, dans les cours, dans l'éducation nationale aujourd'hui. Je voulais aussi vous demander quelque part ce nouveau langage que vous avez créé. C'est un entre-deux entre Scratch pour les plus petits et puis les langages professionnels utilisés aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est une brique intermédiaire. Donc après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le transfert de compétences, une fois qu'on est passé par par le pseudocode, il est facile, il est facilité. Donc l'enfant, une fois qu'il aura passé cette expérience-là, il sera en mesure de choisir n'importe quel des langages. Après, c'est juste une syntaxe. Je veux dire, une expression conditionnelle, if, then, else, en fait, la sémantique est la même, mais la façon de l'écrire, elle est différente d'un langage à un autre. Quelles sont justement les compétences essentielles qui sont apprises par les enfants en jouant à vos programmes, mais aussi tout simplement en apprenant le code à l'école ou à la maison ? Je dirais nombreuses. Nombreuses. Alors, il y a la capacité à résoudre des problèmes. La résolution de problèmes, ça va au-delà du codage. Le fait de pouvoir décomposer un problème en petits sous-problèmes. Le fait de raisonner d'une manière logique. Le fait de pouvoir abstraire des notions.
des recettes qu'on puisse après réutiliser dans d'autres contextes. Bon, ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment liées à l'informatique, au codage. Mais pas que, puisque bon, il y a aussi d'autres choses, d'autres soft skills, par exemple la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, dans les projets, dans la tech, c'est des projets qui se passent en équipe. Donc il faut pouvoir défendre un point de vue, il faut pouvoir justifier un choix technique. Et là, on le voit quand on leur fait faire des ateliers à deux en binôme, il y a un échange qui s'installe. Et donc ça aussi, c'est important. Après, il y a aussi des notions en anglais, puisque nous, on essaye un peu d'apporter l'anglais, sachant que aussi, c'est le codage, on peut le mélanger avec d'autres matières. On s'amuse avec ça. Donc on leur fait écouter des histoires en anglais, et après, ils vont pouvoir reconstituer l'histoire avec des bouts de code. Parce voilà. Qu'effectivement, la programmation, c'est d'abord et avant tout un langage en anglais. Oui. Ça vient des États-Unis et surtout, ça permet effectivement, via votre programme, d'enrichir le vocabulaire dans cette langue. Donc en fait, quand on apprend à coder avec Coding Park, on apprend à la fois à programmer, on apprend des soft skills et on apprend l'anglais aussi. Quelque part, vous cochez toutes les cases. Oui. Bon, est-ce qu'on ne met pas aujourd'hui un peu trop la pression aux enfants, malgré tout, sur le fait d'apprendre à coder? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part non plus un effet de mode qui nous vient peut-être d'outre-Manche ou des pays anglo-saxons en disant il faut que tous les enfants apprennent à coder parce que c'est la compétence clé du 21e siècle? Je dirais ça, on peut expliquer ça aussi, le fait aussi que les parents, ils veulent que leurs enfants, avant, ils soient médecins, ou ils soient avocats, ou ils soient... Voilà, En fait, c'est plus le fait que... quand on connaît ce genre de technologie-là, quand on est à l'aise avec le codage, donc c'est une espèce de sécurité dans le marché de l'emploi plus tard. Et je pense que c'est ça qui fait que les parents, ils encouragent leurs enfants à aller sur ces technos-là. Le fait aussi que la technologie, elle est partout et qu'elle est en train de changer notre vie d'une manière incroyable. Moi, je ne pense pas que ça soit juste un phénomène de mode. Je pense que ce qui est en train de se passer, et surtout l'avènement des IA génératives, là, très récemment, il va transformer considérablement le marché de l'emploi. Il va transformer notre façon de travailler même. Mais en tout cas, sur ces technologies-là, en fait, c'est un atout, je pense, pour plus tard. Et les parents, ils ont envie de sécuriser l'avenir de leurs enfants, donc voilà, ils vont pousser à faire ça. Après, c'est vrai que je reviens toujours à cette notion de plaisir. Voilà, il faut que si l'enfant il a pas envie et puis enfin il veut peut-être faire autre chose, il veut faire du sport, il veut faire de l'art, il veut faire autre chose. Donc il faut vraiment pas insister. Voilà, le plaisir avant tout. Toujours. Voilà. Apprendre à coder, c'est aussi comprendre ce qui se passe derrière l'écran. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les parents viennent vous voir pour vous présenter leurs enfants et travailler sur les sujets de code. C'est acquérir quelque part une perspective un peu plus approfondie aussi des dangers d'Internet, des dangers de la technologie. Alors oui, tout à fait. En fait, parmi les choses aussi sur lesquelles il faudrait sensibiliser aussi, et nous on le fait dans les ateliers également, c'est la cybersécurité. Le fait qu'on consomme de la technologie, qu'on consomme du contenu, qu'on expose donc des éléments de sa vie, sachant que derrière, donc il y a des algorithmes qui vont en fait écouter, qui vont enregistrer, voilà, il y a plein de données qu'on lâche. Donc l'utilisation responsable de la technologie fait aussi partie des choses qu'il faudrait sensibiliser les enfants aussi à ça. Et ouais. Ben justement, on va en parler dans un instant. Juste avant, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Oh.
So this is Jenga. Many of you would have played Jenga at various points. I always like playing it in pubs where they give you giant Jenga blocks, and when they fall over, everybody in the entire building knows you've screwed up. But these are just your normal standard size Jenga. So Joanne is just going to take out several blocks here. You could do this as a two-player Jenga. We're kind of quite entertained by the idea that when we get our next set of gloves, we'll have two people controlling the robot, taking it in turns. We could do that. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur en compagnie de notre invité Amine Lajmi, cofondateur de Coding Park. On va continuer nos discussions, mais si vous voulez bien, juste avant Amine, on va laisser place à la chronique de Dorit Nahon qui a une idée derrière la tech. Dorit, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. On va parler avec vous des congés menstruels en entreprise. Vous pouvez nous expliquer déjà de quoi on parle quand on parle de congés menstruels ? Le congé menstruel, c'est le fait de reconnaître qu'une personne ne soit pas en capacité de travailler à cause des douleurs de ses règles et donc de lui accorder un congé. Alors, ça fait énormément polémique. Pourquoi ? C'est quoi les arguments ? Alors, moi, je suis manager créateur LinkedIn, donc j'ai fait un post où je répondais à la question « Faut-il généraliser le congé menstruel ?» Et j'ai eu des commentaires absolument lunaires. Beaucoup de femmes, étonnamment, qui disent qu'elles n'ont pas mal et donc qu'on ne doit pas bouleverser le système pour, je cite, « quelques personnes qui ont mal ». Donc, pour la solidarité féminine, j'ai envie de dire qu'on va repasser. En plus, c'est hyper faux parce que 91% des femmes souffrent de douleurs pendant leurs règles, selon une étude Easy Panel et Nature Active. Donc non, c'est pas juste quelques femmes. J'ai aussi eu des si on donne des vacances aux femmes, dans ce cas-là, faut faire aussi des trucs pour les mecs. Alors, il y a rien qui va dans cette phrase, elle est hyper problématique. Déjà, c'est pas des vacances, on souffre, on va pas profiter en fait de ces quelques jours. La perle, c'est aussi je suis contre parce qu'il y a trop d'abus. En fait, il y a une partie des gens qui voient le congé menstruel comme un caprice et un privilège, et c'est très intéressant à observer parce que on est sur un manque d'empathie qui est flagrant d'une partie des gens, mais aussi, sur toujours, la peur de la fraude. Si on leur donne un avantage, ensuite, elles vont en abuser. Il y a tout un schéma à reconstruire pour comprendre que non, le congé menstruel, c'est pas un avantage et c'est pas des vacances. Alors, est-ce que justement le terme de congé est problématique, du coup ? Oui, il l'est. Et ça a aussi beaucoup été pointé du doigt en commentaire de mon post. Quand on dit congé menstruel, effectivement, on pense congé payé. C'est ça le problème. Et quand on pense congé payé, on pense vacances. L'amalgame vient aussi de là et ça alimente les mauvaises langues, j'ai envie de dire. Et perso, je proposerais plutôt jour d'incapacité menstruelle, parce que finalement, c'est de ça dont il est question. C'est d'une incapacité à faire son travail dans les meilleures conditions. Et je crois justement qu'il y a aussi un débat sur le télétravail et les congés menstruels. Racontez-nous. Alors, le télétravail ne remplace pas le congé menstruel, hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous êtes HS au travail, vous allez être HS aussi chez vous. Et ça ne va rien changer, en fait. Donc certes, vous serez un peu plus au calme, vous n'aurez plus besoin de vous cacher dans un coin pour souffrir, mais la douleur, elle ne disparaît pas sous prétexte que vous êtes chez vous. Vous avez toujours mal au ventre, parfois à en pleurer, à en vomir. Le télétravail, ça reste du travail, avec la même productivité, la même concentration, la même énergie à mettre dedans. Donc je trouve ça complètement lunaire de dire qu'on peut poser des jours de télétravail quand on a ses règles. On travaille quand même, donc ça ne solutionne rien du tout. Et surtout, le congé menstruel, c'est un acte fort. Ça veut dire qu'on reconnaît votre souffrance. Aujourd'hui, tout le monde parle de bien-être au travail et de marque employeur. Et je suis désolée, mais s'il y a un volet où les entreprises
elles peuvent vraiment se démarquer et agir pour vraiment prouver qu'elles se préoccupent du bien-être de leurs salariés et de la santé physique et mentale, bah, c'est celui-là en mettant en place des congés menstruels. Le congé menstruel fait peur aussi à certaines femmes et vous avez un chiffre à nous partager là-dessus. Ouais, 66% des femmes sont pour le congé menstruel selon une enquête IFOP. C'est effrayant parce que où sont les autres, où sont les femmes? J'ai envie de dire, pour reprendre la chanson, elles ont peur en fait, hein, tout simplement. Elles ont peur d'être encore plus discriminées à l'embauche si l'employeur se dit c'est une femme, à tout moment elle va me poser un congé menstruel, elle va moins bosser que les autres. Alors d'une part je peux comprendre, mais pour moi ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où on est discriminé sur le simple fait qu'on est une femme à la base. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la fameuse question en entretien d'embauche, est-ce que vous comptez avoir des enfants, hein, tout le monde la connaît, et on a des chiffres pour ça, 38% des mamans ont été jugées par leur employeur comme moins fiables que leurs collègues selon une enquête Magic Maman. Parmi les mamans victimes de discrimination, on en a 68% qui estiment avoir été victimes de traitements injustes plusieurs fois dans le cadre de leur parcours professionnel. 22% ont été discriminés à l'annonce de leur congé maternité ou congé parental et 20% à leur retour de congé. Donc sincèrement, on n'a pas besoin de congé menstruel pour être discriminé. Le simple fait d'être une femme, ça suffit en fait. Alors justement, il y a certains pays qui sont précurseurs, mais le congé menstruel arrive aussi doucement chez nous. Où est-ce qu'on en est en France ? Soit béni l'Espagne, précurseur sur tellement de sujets, ça a été les premiers à mettre en place le mariage gay, la PMA et récemment les congés menstruels, l'Espagne précurseur, l'Espagne inspirante, jusqu'en France, heureusement, même si on le sait, notre réputation nous rattrape, on est toujours un petit peu les derniers ou un petit peu à la traîne sur les évolutions, malheureusement, on est plus long à arriver et à se développer. Donc quelques entreprises lancent la marche timidement, comme le créateur de mobilier de bureau Louis Design. C'est arrivé jusqu'à la fonction publique. On a par exemple la mairie de Saint-Ouen qui a généralisé le congé menstruel sur présentation d'un certificat médical déjà pour plus de 2000 agents. C'était symboliquement le 8 mars pour la journée internationale du droit des femmes. On a ensuite eu la métropole de Strasbourg et l'Eurométropole qui ont annoncé mettre en place les congés menstruels dès 2024. Ils expérimentent aussi la semaine de 4 jours, donc on est dans le futur avec eux. Et enfin, on a la métropole de Lyon qui a aussi opté pour 2 jours de congé menstruel par mois dès le 1er octobre de cette année, donc 2023. Que de belles nouvelles dans un monde du travail plus inclusif, plus évolutif. Et tant qu'à rester dans l'inclusion, ça me paraît important de rappeler qu'il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, hein, mais aussi les personnes transgenres. Donc on parle de personnes qui ont leurs règles et non forcément de femmes qui ont leurs règles. C'est important de le préciser. Et on continue d'espérer une France où le congé menstruel et soyons fous, l'endométriose soit reconnue et ça sera un grand pas pour la dignité et le respect de toutes les personnes qui souffrent. Merci beaucoup en tout cas Dorit Néron. Et puis bah, nous on va continuer à parler de l'apprentissage du numérique et du code informatique chez les jeunes avec le cofondateur de Coding Park. Mais juste avant, on va lancer ensemble la deuxième partie du talk. On le disait en première partie, la compréhension du code informatique ainsi que du fonctionnement des nouvelles technologies est évidemment une compétence du 21e siècle, d'autant plus que l'industrie représentée par des mastodontes comme Facebook, Google, Instagram, Uber ou encore Airbnb ne cesse de prendre de l'importance. C'est justement pour ça que certaines écoles un peu partout en France ne s'y sont pas trompées et proposent déjà des cours de code au sein de leur programme. Les exemples restent certes encore très rares, mais le secteur privé prend le relais. C'est ce que vous faites justement. Amine Lajmi, vous êtes le cofondateur de Coding Park. Est-ce qu'apprendre à coder, justement, on en parlait en première partie, ça vient aussi avec des risques, ce monde numérique dans lequel sont plongés nos enfants. Est-ce qu'apprendre à coder, c'est aussi prévenir ou du moins aider les enfants face à une éventuelle addiction aux écrans ? Vaste question. Effectivement, quand on parle de l'apprentissage du code et du numérique, effectivement, on pense qu'il y a un degré d'exposition aux écrans en fait, qui est peut-être plus important. Mais au-delà de ça, je dirais que c'est plutôt la qualité de cette exposition. Comment on peut la qualifier ? Est-ce que c'est une exposition qui est passive ? L'enfant, il est en train de consommer du contenu ? Ou est-ce qu'il est en train d'apprendre ?
Moi, j'ai toujours l'exemple de mon fils qui voit, quand je code Coding Park, il pense que c'est un univers avec le robot pirate et tout ça, qui sa vie de lui-même à l'intérieur. Il se demande qu'est-ce qu'il fait, papa, devant l'ordinateur. Mais en fait, je dis, mais papa, il est en train de coder ça, il est en train de programmer ça. Donc, ah oui, mais c'est quoi? Je suis en train de résoudre des problèmes. Là, je veux qu'il fasse ça, mais en fait, il ne fait pas ça, il fait ça. Donc là, je suis en train de... Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et là, les enseignants, les parents, ils ont un rôle d'accompagnement là-dedans. Il ne faut pas laisser l'enfant abandonner. Il faut au contraire l'accompagner. Et aussi, dans le choix des activités, il faut aussi varier les activités. Parce que les activités de codage, en fait, on peut très bien les marier avec d'autres activités physiques. Donc, mm-hmm. l'assemblage de blocs, de la robotique physique. Donc, là-dedans, ça nécessite aussi des compétences en codage. Même des activités de jeux de société. Voilà. Donc, il faut... effectivement, là, c'est plus une affaire de responsabilité de parents, de la façon d'accompagner l'enfant dans l'apprentissage. Dans vos ateliers, est-ce que vous avez aussi un certain nombre de jeunes filles? On sait, elles sont moins nombreuses à s'impliquer dans l'apprentissage de la programmation, à poursuivre aussi plus tard des carrières dans le secteur industriel ou numérique. C'est quelque chose que vous voyez aujourd'hui chez Coding Park? Oui, oui, oui. Non, ça, c'est un constat généralisé, que dans la tech, voilà, il y a un manque de filles dans les cursus scientifiques et techniques. Et en fait, ça décourage les petites filles. Est-ce qu'elles n'ont pas les capacités de faire ça? Non. Bien évidemment que tout le monde peut y accéder. Donc, nous, on est conscients de ça et on l'a vu dans les divers ateliers. Et justement, on œuvre pour plus de mixité. Donc, on essaye de monter des partenariats avec des associations. Je ne sais pas si on peut citer des autres associations, comme Bicomtech, par exemple, ou voilà, les ambassadrices du numérique qui, elles, interviennent sur les ateliers Coding Park. Donc, on envoie des ambassadrices du numérique faire nos ateliers. Donc, c'est des filles qui suivent un parcours de formation. Elles se forment au codage. Et ensuite, elles vont l'enseigner. Donc, c'est elles qui vont, quelque part, l'enseigner. C'est animer les ateliers de Coding Park. Quel est votre modèle économique aujourd'hui? Est-ce que c'est facile? Je sais que c'est un vaste sujet, mais d'avoir un modèle économique dans ce secteur aujourd'hui? C'est très difficile d'avoir un modèle économique qui fonctionne en France. Je dis bien en France, parce que chaque pays, en fait, il a sa propre configuration de marché, si on peut appeler ça un marché. Le secteur du K12, on appelle le K12, donc le scolaire, école primaire, élémentaire, c'est un des secteurs les plus difficiles. C'est ce qu'on appelle parents pauvres. Voilà. Il y a plusieurs enjeux structurels dans ce marché-là. Le fait que les enseignants, par exemple, ils sont un peu infantilisés, ils ne peuvent pas choisir par eux-mêmes, il faut qu'on choisisse pour eux. La liberté pédagogique. Voilà, donc c'est des choses qui se décident en amont. Le manque de budget, la lenteur des institutions, des fois les institutions, c'est pas clair. En fait, beaucoup d'entreprises dans ce secteur, elles vivent des appels à projets. Et elles sont comme si on est sous perfusion, en fait, de ces appels à projets-là. Donc, quelque part, il n'y a pas de modèle économique, en fait, dans le secteur de l'éducation en France. Sur le K12, en fait, tu as beaucoup de sociétés, beaucoup de start-up, même des start-up qui sont parties, qui ont eu la cote à un moment, qu'elles n'ont pas survécu. Alors nous, on essaye de s'en sortir comme on peut. Comment vous vous y prenez, justement? Déjà, moi, personnellement, je mets beaucoup de mon argent là-dedans. Donc, j'ai investi beaucoup. Si c'était pour gagner de l'argent, je pense que j'aurais arrêté il y a longtemps. On essaie de s'en sortir. On va à l'international, par exemple. On a découvert que, voilà, au Royaume-Uni, par exemple, par hasard, on a fait le BET, le BET UK, qui est l'un des plus grands événements dédiés à l'éducation en Europe. Et on a vu, en fait, qu'en Royaume-Uni, c'est complètement différent. Les enseignants, ils ont plus de liberté.
Ils ont la carte bleue, donc déjà, ça change tout. Bah, en fait, on nous dit c'est bien ce que vous faites, mais dommage, c'est payant. Ouais. Je veux dire, par là, il faut faire vivre l'entreprise. Moi, j'ai vu passer beaucoup de talents en alternance que je n'ai pas pu garder, justement, parce que, en fait, le manque de fonds, c'est criant, en fait, dans ce secteur-là. Voilà. Vaste sujet. On essaie de s'en sortir. On essaie d'aller distribuer à l'international. On essaie de varier en fait les sources de revenus. Vente de logiciels en B2C, vente d'ateliers en B2B. Et on essaie de combiner tout ça et ça nous fait un petit chiffre d'affaires qu'on essaie de faire grossir. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Amine Lajmi, vous êtes le cofondateur de Coding Park. Vous l'aurez compris, dans cette émission à l'école, on apprend évidemment à lire, écrire, compter, mais on apprend aussi à coder au même titre que l'alphabet ou l'étape de multiplication. L'apprentissage du code informatique prend peu à peu sa place à l'école. Pour beaucoup de parents et d'enseignants, ces notions restent encore très floues, mais c'est pour cette raison justement que des initiatives privées se lancent sur le sujet, aident les enfants à soulever le capot du numérique et à développer des compétences essentielle pour leur avenir. Alors je vous remercie beaucoup Amine Lajmi d'être venu nous parler de ce sujet passionnant. Merci beaucoup, merci aussi à vous Dorit Namon d'avoir été avec nous. Vous avez été notre chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve très vite dans l'école du futur.